إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فصلوا على رسول الله في هذه الجمعة المباركة. أيها الإخوة الكرام، مع ثانيا أقول، وهذه الأحداث تتراكم على أمتنا، فقد اخترت اليوم إن شاء الله حديثا من كتاب الله أو كلاما عن آيات من كتاب الله. Nous allons parler إن شاء الله en essayant de traduire ce que Allah سبحانه وتعالى a descendu sur le prophète, mais qui est une leçon pour nous et pour l'éternité, le Coran al-Karim. Allah سبحانه وتعالى, il dit في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Nous avons descendu le livre sur toi pour que tu juges entre les gens d'après ce qu'Allah t'a enseigné et que tu ne sois pas un défenseur des traîtres. هذه الآية في سياق أيها الإخوة، dans quel contexte elle est descendue. يقول القرطبي، القرطبي nous raconte l'histoire de les circonstances de révélation de cette aya. Il nous raconte qu'il y avait trois frères d'une tribu qui habitait Médine et qui avaient volé un compagnon. Ils avaient volé quoi, dirha, c'est-à-dire le bouclier, plusieurs boucliers. Et ils les ont cachés. Où est-ce qu'ils les ont cachés? Le bouclier plutôt, ils l'ont caché dans un grenier. Et la personne s'est aperçue qu'on lui a volé le bouclier et qu'ils les ont cachés dans un grenier. Quand il est allé se plaindre au prophète, d'autres gens de cette tribu sont venus dire au prophète que nous ne sommes pas des voleurs et que les nôtres ne sont pas des voleurs. يُدَافِعُونَ عَنْ إِخْوَانِهِمْ. Ils défendaient leurs frères. C'est celui à qui on a volé les boucliers, à la limite, il a dit « j'aurais pas dû dire au prophète ». Il était vraiment vexé que le prophète dise, subhanallah, on ne sait pas est-ce qu'ils ont volé ou pas. Le problème, c'est que quand ils ont pris les boucliers et qu'ils les ont cachés dans un grenier, quand ils ont vu que le prophète allait s'apercevoir qu'ils avaient volé, ils ont pris ces boucliers-là et les ont jetés dans un jardin d'un certain, certains exégètes disent que c'était un juif, dans un jardin d'un juif. Et ils sont venus se plaindre au prophète en disant: nous ne sommes pas des voleurs, ya Rasulallah. Fa ghadiba Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ghadiba Rasulallah li'annahu yara bi nurillah. Parce que le prophète y voit avec la lumière de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur lui ça. Il descend sur lui ces versets-là en disant que ces gens-là qui viennent se défendre et qui viennent dire qu'ils n'ont pas trahi, ce sont des traîtres. Ne les défends pas. Nous avons descendu sur toi le livre pour que tu enseignes aux gens, pour que tu juges les gens d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ مَعَهُمْ. Et Allah, il est avec eux, là où ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, là où nous sommes, ayyuhal ikhwa. وَالْخِيَانَةُ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ. La traîtrise, être traître dans une communauté, c'est un grand, grand péché. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. قَالَ الْفَيْرُوزَ أَبَادِي. Fayrouz Abadi, c'est un grammairien. C'est un grammairien d'origine perse. Vous remarquerez que les Perses, ceux qui ne maîtrisaient pas l'arabe, ce sont eux qui ont développé la grammaire arabe. Parce que justement, ils voulaient comprendre le Coran. Et les grands savants musulmans sont tous d'origine perse. الفيروز أبادي قال، il dit il y a cinq façons de parler de la traîtrise في القرآن. كيف تكلم الله سبحانه وتعالى عن الخيانة في القرآن؟ قال الأولى
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم الأولى في الدين والديانة. La première traîtrise, on peut être traître dans sa religion. الثانية ولا تكن للخائنين خصيما. الخيانة في المال والنعمة. On peut être traître dans quoi? Dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. في المال والنعمة. Dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ou bien, si quelqu'un te donne de garder quelque chose et que tu le trahisses. La troisième chose. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. الثالث في الشرع والسنة. السنة فقد تركوها في الفريضة. الرابعة إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة بمعنى الزنا. والخامسة أي نقض العهد. وإن تخافن من قوم خيانة. Le fait de ne pas tenir le pacte, c'est une traîtrise. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous expliquent les grammairiens. في السنة أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit certaines choses. Si quelqu'un a ces qualités là, qu'il sache que c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه وسلم nous dit آية المنافق ثلاث في حديث أربع. آية المنافق إذا أتمن خان إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Les signes de l'hypocrite, c'est quoi? C'est quatre choses. Quand il discute, quand il parle, il ment. Le mensonge, c'est une de ses qualités. إِذَا حَدَّثَ كَذِبٍ إِذَا أَتُمِنَ خَالٍ. Si tu lui donnes un dépôt, il le trahit. Z. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٍ. Il ne tient pas ses pactes. Et la dernière, c'est quoi? إِذَا خَاصَمَ فَجَرٍ. Quand il se dispute, tout de suite, les grands airs, les grandes paroles, les obscénités. Si vous voyez quelqu'un comme ça, sachez qu'il a une qualité. Astaghfirullah, ce n'est pas une qualité, mais plutôt c'est un comportement de mon affaire. C'est un comportement de quelqu'un qui est hypocrite. هذه الخيانات التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن. يقول العلماء والخيانة من علامات النفاق. Le traître, c'est un munafiq. الخيانة من معالمات النفاق. الأمر الثاني أن الخيانة طريق موصل إلى العار في الدنيا والنار في الآخرة. La traîtrise, c'est quelque chose de honteux ici-bas et c'est quelque chose qui mène à جهنم في الآخرة. أسوأ ما يبطن الإنسان. C'est la plus mauvaise chose que la personne peut cacher au fond de soi, au fond de lui-même. انتشار الخيانة في المجتمع من علامات اضمحلاله. Si la traîtrise se répand dans la société, sachez que la société est en dislocation totale. تسخط الله عز وجل على العبد. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. من صور الخيانة. Comment on peut voir que quelqu'un c'est un traître? Et comment on peut être traître? Des fois on ne se rend pas compte, ayyuha al-ikhwa. الخيانة من صفات المنافقين. الله سبحانه وتعالى يدي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. من أكبر الأمانات أن الله سبحانه وتعالى زادني أون ديبو كوا هذا الدين أيها الإخوة. إنه زادني أون ديبو هذا الدين. إنه زادني أون ديبو de montrer la lumière aux gens. Et de traduire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, de le traduire dans notre comportement quotidien, pour que les gens voient la lumière par laquelle nous sévit à travers ce Coran. Ça ne sert à rien de parler. Les gens nous voient par nos actes, ayyuhal ikhwa. La première chose, c'est khiyanatud din. La deuxième chose, ayyuhal ikhwa. Donc la première, c'est khiyanatullahi wa rasoulih. La deuxième chose, khiyanatul amanat. Wal amanat, hiya kullul a'mal. التي أوكلنا الله بها الأمانات لديبو. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire dans cette vie ici-bas pour gagner justement, pour gagner son agrément et pour ne pas encourir sa colère. Ne dit-on pas tous les jours في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala أمرنا أن نؤدي الأمانة. أمرنا أن نحسن إلى الجار. أمرنا أن نربي أبناءنا. الله سبحانه وتعالى nous a demandé d'être bienveillants envers nos voisins.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'éduquer nos enfants, de s'éduquer nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé justement « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La salat, la prière, si on y assiste et si on est assidu, « Inna tanha anil fahsha'i wal munkar » C'est un bouclier contre les turpitudes et contre les mauvaises choses. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. À chaque fois qu'on fait le contraire de ça, « Faqad khunna al-amana » On n'a pas été à la hauteur et on a été traître par rapport au pacte qu'on a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala fi alim al-ghayb. الأمانة شيء عظيم تكليف الله سبحانه وتعالى من الأمانات كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى إذا أتينا فهي خيانة للأمانة خيانة النفس autre chose خيانة النفس وهي أن يفعل المرء من الذنوب ما لا يطلع عليه إلا الله خيانة النفس être traître avec soi-même Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais des choses, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui me voit. Quand je suis tout seul, quand je suis avec les gens, je suis Moussa alayhi salam. Quand je suis tout seul, je deviens Pharaon. هذه خيانة والله سبحانه وتعالى يبغض ذلك الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من الناس من يأتون يوم القيامة بجبل تهامة أعمال كجبل تهامة Ils viendront avec des œuvres comme les montagnes que vous voyez là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'aluha haba'an manthura. Allah subhanahu wa ta'ala les soufflera comme si de rien n'était. Qalu manhum ya Rasulallah, sifhum lana. Qalhum innahum yusalluna kama tusallun. Wa ya'tuna min al-layli kama ta'tun. Ils priaient, ils faisaient même la prière de nuit. Que devrons-nous dire, nous, aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa. Faisaient même la prière de nuit. Ils faisaient tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé. Sauf que quand des fois ils étaient seuls, « كانوا يعصون الله » « وهو معهم » Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, là où on est. Allah subhanahu wa ta'ala, « معيّة علم مع كل واحد منا » Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que chacun d'entre nous fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, « معيّة إحسان مع المؤمن » Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi, comment ? En étant bienfaisant envers toi. En étant conciliant avec toi, en agréant ce que tu fais quand tu es croyant. Mais quand tu n'es pas croyant, quand la personne n'est pas croyante, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec lui, il sait tout ce qu'il fait en même temps. Ayyuha al-ikhwa. Idhan, ayyuha al-ikhwa, nous avons dit que khiyanatu an-nafs min akbar al-khiyanat wa hiya an ya'ti al-insanu al-muharramat wa huwa yadhunnu an an-nas la yarawnah. قال ابن القيم إن بينك وبين الله ستر وبينك وبين الناس حجاب فإذا أنت هتكت الستر الذي بينك وبين الله رفع الله الحجاب بينك وبين الناس entre toi et Allah سبحانه وتعالى il y a un voile et entre les gens et toi il y a aussi un voile sauf que le voile d'Allah ستر autrement dit c'est un tissu de protection si toi tu désobéis à Allah et tu trahis Le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trahis, tu ne laisses pas. En fait, tu fais d'Allah celui qui te la personne, astaghfirullah, tu fais d'Allah celui en qui tu as moins peur, si vous voulez. Quand tu es seul et que tu sais qu'Allah il te regarde, mais tu fais quand même ce qu'il ne faut pas. Et donc, si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il lève le voile entre toi et les gens en face. خيانة الأمانات من خيانة الأموال كذلك. Quand quelqu'un te laisse un dépôt ou quand tu fais une transaction avec quelqu'un et que tu le trahis, tu ne maintiens pas ce que vous avez dit. وهذه خيانة. الخيانة تكون بإفشاء أسرار الناس. Quand quelqu'un te laisse un secret, quand tu es un imam ou que tu es un médecin ou que tu es quelqu'un en qui les gens font confiance et qu'ils te racontent leurs problèmes, tu n'as pas à les dévoiler, tu n'as pas à les divulguer. Sinon, c'est une traîtrise. Et la traîtrise, c'est le plus grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Ayyuha al-ikhwa. Khiyanatun fin nasiha. Khiyanatun fin nasiha. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand quelqu'un te demande de le conseiller, tu lui donnes le mauvais conseil. Ou bien, tu conseilles quelqu'un et tu sais très bien que ce chemin, il mène nulle part. Ou bien, tu conseilles quelqu'un et tu sais très bien que tu as obstrué ou tu as caché une partie de la vérité. Quand tu caches une partie de la vérité en disant juste une chose qui va dans le sens que ce que toi tu veux que les gens suivent, eh bien, c'est une khiyana.
Certains nous disent des hadiths, mais ils oublient de nous dire les autres hadiths. Certains justifient ce que font Al-Hukka, ce que font ces tyrans qui ont asservi les peuples. Certains savants, ilmuhum indallah, Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu baynana yawm al-qiyamah. Yawma tubla al-sara'ir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où on dévoilera tout ce qui a été secret, tout ce qui a été secret dans les cœurs, tout ce que vous avez touché pour dire « Allah il-Kadhib », tout ce que vous avez touché pour dire le mensonge sur Allah, Allah il le dévoilera yawm al-qiyamah. Wa hatihi min akbar al-khiyanat. Kaman yuzakki fasiqan, mathalan. Alladhi yuzakki fasiqan. Le fasiq, c'est le pervers. Alladhi yuzakki al-fasiq. Quand tu vois quelqu'un, un tyran qui tue des millions de musulmans, toi tu dis « Tawakkal ala Allah, innaka ala al-haqq al-mubin. Fa anta khunt al-amana. » فقد خنت الأمانة وإن كنت على منبر رسول الله في المدينة أو في مكة. فقد خنت الأمانة. Si tu dis à un tyran, celui qui tue des milliers de musulmans, أنت على الحق المبين. فقد خنت الأمانة أمام الله سبحانه وتعالى. ونقولها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يزكون الفسقة، الذين يزكون الفجار، الذين يزكون الذين يقتلون المسلمين. هؤلاء لا يستحقون أن نناديهم بأسمائهم، حتى أن الناس الآن اليوم ولا نسمي أحدا اليوم يقولون، والله سمعتها بأم أذني أيها الإخوة، ناس يقولون فلان الذي يزكي الطاغي الذي قتل المسلمين، حين أسمعه يرتل القرآن أطفئ المذياع. الله أكبر. ومن أكبر الخيانات أيها الإخوة الخيانة الزوجية، من أكبر الخيانات الخيانة الزوجية، أن تخون المرأة زوجها أو يخون الزوج امرأته. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى يصف الذين خانوا الله ورسوله في القرآن، وهؤلاء الذين خانوا الله ورسوله في القرآن اليوم أيها الإخوة الذين يدعون أنهم مسلمون، الذين خانوا الله ورسوله في القرآن، ceux qui ont trahi Allah et son prophète dans le Coran. Et Allah il les décrit parfaitement. De grands pays musulmans font des pactes avec eux, rétablissent les relations avec eux, financent, pour tout vous dire, financent leurs opérations pour tuer des musulmans sur Gaza, financent leur projet plan durci, financent leur invasion du Liban. Vous imaginez, ayyuha al-ikhwa. Vous imaginez هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون والذين في أيديهم الحرم الشريف الذين خانوا الله ورسوله. هؤلاء الخونة الذين خانوا الله ورسوله اليوم يستعملون علماء ليودعون إلينا pour qu'ils nous exportent des fatawi. هؤلاء الذين يقولون لنا أنتم هنا في فرنسا يجب أن تهاجروا إلى بلادكم، وهم يقعون على نفس القول الذي يقوله هذا الصهيوني celui qui dit il faut faire une immigration à l'envers. La même chose أيها الإخوة. Ceux qui nous disent vous devez quitter, vous ne devez pas rester ici. Le gars, le sioniste qui nous dit maintenant les musulmans c'est le problème de la France. Il faut faire une immigration à l'envers, il faut les renvoyer là-bas, il faut faire une Espagne. Regardez comment les alliés objectifs se retrouvent. Vous avez vu أيها الإخوة. Si on n'a pas compris aujourd'hui, eh bien on ne comprendra jamais. On ne comprendra jamais, ayyuha al-ikhwa. Je vous donner une dernière information qui est tombée avant-hier. El País, un journal espagnol, rapporte. Regardez ce que le rapporte El País. Bien sûr, il ne sera pas rapporté par BFM TV ou nos médias. El País rapporte que les forces libyennes ont arrêté un imam d'une mosquée. بتهمة التجسس لصالح الدولة المعادية. Ils ont arrêté un imam d'une mosquée. Qui faisait quoi ? C'était un espion pour un état ennemi. وكشفت التهمة الحقيقية أبعد من التجسس. حيث تم الإعلان أن إمام المسجد المدعو أبو حفص. Ce gars-là qui s'appelait Abu Hafs et qui se donnait le nom d'Abu Hafs avec une grosse barbe, masha'Allah, et qui parlait parfaitement l'arabe et qui avait appris le Coran. Au fait, son nom, ce n'était pas Abu Hafs, mais c'était Benjamin Ephraim. C'était un colonel du Mossad, et qui était imam à la dans une mosquée en Libye, et qui avait formé quoi ? Un groupe armé extraordinaire, plus de 250 combattants.
Et jamais un groupe n'a été aussi sanguinaire que celui-là. Jamais un groupe n'a été aussi sanguinaire que celui-là. El País, ceux qui lisent l'espagnol, allez sur le site. J'invente rien, Yohel Echwa. Jamais un groupe n'a été aussi sanguinaire que celui-là. En plus, ils voulaient porter la guerre où ? En Égypte. Regardez comment ils allument le feu dans les pays musulmans. Comment ils allument le feu dans les pays musulmans. Et après, on nous dit, le problème, c'est l'islam. Les Irakiens, les Irakiens, les pauvres Irakiens médusés après la bataille de Mossoul. Qu'est-ce qu'ils voient ? Les hélicoptères américains portés, qui est Daesh et leur instructeur israélien. Ceux qui ont fait la bataille de Mossoul, Al-Mawsil, ils l'ont détruite. Madina Ra'i'a fil Irak. C'était l'un des plus grands pays arabes, l'un des pays les plus développés arabes. Ils l'ont détruit, ayyuha al-ikhwa. Je reviens en Libye. Le gars, il travaillait pour le Mossad israélien. Il s'appelait Abu Hafs. Et il a créé un groupe qu'il a armé. Et il tuait qui ? Bien sûr, il tuait les musulmans. Huwa kan muwahhid. Vous avez vu ? Kan muwahhid. Il tuait les musulmans. Al-gharib fil amr. Abu Hafs, tout de suite, il est monté dans les grades. Et il est devenu un chef de guerre qui tuait les musulmans. Le problème, ayyuha al-ikhwa. Billahi alaykum. Kam min Binyamin Ephraim, comme celui-là, mawjoud fil alam al-arab al-islami aujourd'hui. Combien de gens comme lui se trouvent dans le monde musulman aujourd'hui? Combien de gens comme lui qui travaillent pour l'ennemi et qui nous diffusent le sem de l'ennemi? Combien il y en a ici, en France, dans nos pays d'origine? Combien il y en a, ayyuha al-ikhwa? Jusqu'à quand on va subir ça, ayyuha al-ikhwa? Jusqu'à quand? Comment peut-on rendre cette image aussi néfaste, aussi noire, l'image de notre islam, le bel islam? Certains gens, ayyuha al-ikhwa, quand ils rentrent en islam, quand ils découvrent l'islam, ils disent, subhanallah, où vous étiez-vous les musulmans pour m'expliquer tout ça? Hajib, je finis par une histoire, ayyuha al-ikhwa. Il y a un ancien ambassadeur allemand qui était dans les années 50-60, dans les années 50, quand l'Algérie était française, quand l'Algérie était colonisée, il était ambassadeur d'Allemagne là-bas. Ensuite, il était ambassadeur d'Allemagne au Maroc. Il s'est établi en Turquie à la fin. Le gars, c'était un artiste, c'était quelqu'un qui aimait l'art. Mais il a vécu avec les musulmans, il connaissait les musulmans. Et il était à la recherche de la réalité. Il s'appelle Hoffman. Il a changé son nom après. Un jour, il était en Turquie, il disait, ce qui me subjuguait chez les musulmans, c'est quand je les voyais prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala, face à terre. Il disait, un jour, il est allé à Istanbul. Et c'était un homme de lettres, c'était un homme d'art. Il a regardé une vitrine. Il a dit, dans la vitrine, la boutique était fermée, mais j'avais vu une toile qui m'a plu, qui était extraordinairement belle. Mais le magasin était fermé. Il a dit, je suis allé dans un magasin à côté. Et le magasin à côté, il m'a présenté tout ce qu'il avait. Mais il n'y a rien qui me plaisait. Je lui ai dit, viens, je te montre. J'ai dit au gars du magasin, viens, je te montre ce qui me plaît. Il l'a amené, il lui a dit, regarde, ça me plaît, ce qu'il y a là. Alors, tu veux ça? C'est simple. Attends. Allez, il est rentré dans son magasin. Il a cherché les clés. Il a ouvert le magasin. Il lui a vendu la toile. Il a pris l'argent, il l'a mis dans la caisse du gars à côté. Le gars, il est sorti subjugué. Il a dit, ayyu dinin hadha? C'est quoi cette religion? La ilaha illallah. Avec un comportement comme ça, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands têtes, des plus grands idéologues musulmans, ayyuha al-ikhwa. La ilaha illallah. Quand on demande qui peut garder le parking, la hayat liman tunadi. Qui peut rester juste au parking là? La hayat liman tunadi. Ashihatun alaykum. C'est comme ça que dit le prophète, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit ashihatun alaykum, shkoun munafiqin. Il dit au prophète le munafiq, shahih, ne veut pas donner. Ni 5 euros ni 10 euros, il ne donne pas. Fa idha dhahab al-khawf, quand ils n'ont plus peur, salaqukum bi al-sinatin hidad. Et quand le khawf il est parti, la peur est partie, qu'est-ce qu'ils font? Salaqukum, ils vont vous trancher avec leur langue. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Allahu al-musta'an. Nas'alullah ad-du'a li ikhwanina fil Quds al-Sharif. Amen.
نسأل الدعاء لإخواننا في القدس الشريف. وما لنا نحن اليوم لا نحرك ساكنا وإخواننا يضطهدون. Vous avez vu ce qui se passe في المسجد الأقصى. On laisse pas les gens aller prier. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى c'est ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils ont l'aval de tous les pays musulmans, maintenant qu'ils ont normalisé leurs relations avec le plus grand pays musulman, celui qui détient la Mecque et Médine. Et celui qui détient la Mecque et Médine, ceux qui ont financé le plan Durci, ceux qui ont des bases militaires avec des instructeurs israéliens chez eux et qui nous envoient les fatwas à nous, maintenant ils peuvent fermer le Masjid al-Aqsa. Ils peuvent ne pas laisser les gens aller faire la prière au Masjid al-Aqsa. لن نسكت على الحق أيها الإخوة. لن نسكت على الحق. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. Celui qui se tait devant une injustice. On ne dénonce pas la personne parce qu'elle est chrétienne ou musulmane ou juive. Non. On dénonce la spoliation. On dénonce l'injustice. On dénonce toutes les injustices qui existent dans le monde musulman, le monde arabe et en Palestine, أيها الإخوة. إذا أرادوا أن يغلقوا المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى فليمرون على أجسادنا أيها الإخوة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة لا يسعون في هذه النوازل. وهذه نوازل أي نازلة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يحزبه أمر بخوفات تلافي كان تلافي دي بخبلام كم سادة لسوسيتي. Qu'est-ce qu'il faisait ? كان يلجأ إلى القنوت. فأنا يعني أشير إلى إخواني من المساجد الأخرى ceux qui viennent des autres mosquées. Demandez à votre imam de faire دعاء القنوت في صلاة الصبح وحتى في صلاة العشاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنوت. C'est-à-dire il faisait quoi القنوت ? القنوت c'est le fait de faire الدعاء debout. Il faut qu'on se réveille أيها الإخوة et qu'on arrête de remplir juste Auchan et Carrefour. Sincèrement, il faut qu'on se réveille un peu et qu'on montre notre attachement à nos valeurs, notre attachement à nos mosquées, notre attachement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré dans le Coran. Qu'est-ce qui est sacré pour nous, ayyuha al-ikhwa ? Demain, on arrive devant Allah. Madha qaddamt ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a donné ? On a éduqué nos enfants, on s'est éduqué nous-mêmes. Est-ce qu'on a pris, on a levé le petit doigt pour ce qui se passe là-bas ? La shay. Madha naqulu lillahi subhanahu wa ta'ala ? اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في القدس الشريف. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ارفع الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام في هذه البلاد. اللهم احفظ هذه البلاد. احفظها من الأشرار يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم.